commandant. Votre père peut être fier. L'amiral nous a demandé de localiser une installation impériale secrète sur la planète Pilio, un endroit appelé l'Observatoire. Apparemment, l'Empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous. En raison du danger qu'ils représentent, l'amiral souhaite un déploiement minimal. Une escouade, un seul agent. Tel, en temps normal, j'accomplirai cette mission moi-même. Mais vos compétences techniques pourraient s'avérer utiles pour pénétrer dans le bâtiment. Allez-y, localisez l'Observatoire et détruisez tout ce que vous y trouverez. L'endroit doit cacher quelque chose de spécial. Tu restes ici, R2. Leurs scanners ont sûrement dû nous repérer. Ça ira, R2. Tu restes ici, d'accord ? Je dirais que l'Empire cherche quelque chose lui aussi. Voilà les renforts qui arrivent. Thank you.
Ce n'est pas ce que je voulais. Il y a quelque chose là-dessous, c'est... contre nature. C'est ce qui m'a appelé. Peut-être était-ce quelque chose d'autre. Il verrait bien que je ne suis pas le seul à vouloir me débarrasser de moi. Qui êtes-vous ? Je t'ai entendu appeler. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Oui, c'est vrai. Vous pensez pouvoir me sortir de là ? Ne bouge pas. Je sais qui vous êtes. Pourquoi vous m'aidez ? Parce que tu me l'as demandé. Non, 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 ça marchera pas. Ça, oui. Non, attends! J'ai entendu des centaines d'histoires sur les Jedi. Quand j'étais petit sur Coruscant, ils me terrifiaient. Mais vous... Ah, vraiment. Il faut qu'on travaille ensemble si on veut sortir d'ici. Tu cherches quelque chose. Moi également. C'est la Force qui nous a réunis. Chance. La chance n'explique pas tout. Ouais, la Force. C'est ça qui vous a permis de tuer mes hommes ? C'est grâce à ce sabre laser. Je suis désolé. C'est ce que je pensais. Alors pourquoi ne pas m'avoir tué ? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Toi, si. Les insectes ! Protège-moi et je te protégerai. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. Mais pourquoi ces trucs nous attaquent ? Ils sont en colère. On est chez eux. Cette ambre, on dirait du béton. Il durcirait presque au toucher. Ça se brise aussi au toucher. Alors c'est pour ça que tu es là. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour le détruire. Un instant, l'observatoire est protégé. Si je ne désarme pas le système de défense, cette caverne va partir en fumée et nous avec. C'est couvert d'ambre. Je vais dégager le terminal. Ça ira ? C'est mieux. Le système de défense est activé. Le compte à rebours est officiellement lancé. Ton système de défense perturbe la faune locale. Je crois qu'on réveille les insectes. Je vais les retenir. Continue. Envoie la dôme. Thank you.
notre terminal. Ah, les terminaux doivent être enfouis dans l'ombre. Détruisez les piliers et trouvez-les, vite! Il vous reste 4 minutes avant que le système n'explose. Par ici! Merci, je m'en occupe. Il y aura à admettre que je suis content de vous trouver là. Je dirais que le hasard a bien fait des choses. Débarrassez-moi de ces insectes! Il nous reste 3 minutes avant que le système n'explose. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, et ces bestioles n'ont pas l'air d'aimer ça. Il n'y a rien sur cette porte. Comment je suis censé l'ouvrir? Avec la clé. Pourquoi l'Empereur aurait-il une pièce qui s'ouvre uniquement à l'aide de la Force? À ton avis? Vous insinuez que l'homme qui a détruit l'Ordre Jedi en était un aussi? Non. Je dis que le petit garçon que vous étiez était effrayé par les mauvaises choses. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. L'Empereur ne protège que des vieilleries. Ça ne vaut rien tout ça. Peut-être pas tout. C'est quoi ça? J'aimerais garder cette boussole, si tu veux bien. Ma mission est de détruire cet endroit, pourquoi je vous laisserai faire ça? Parce que je te le demande. Merci. Je ne t'empêcherai pas de détruire cet endroit. Mais tu ne crois pas que l'Empire a déjà fait assez de mal comme ça? Je suis content qu'on nous ait réunis, Del. Alors c'est quoi le plan? On s'en va chacun de notre côté et on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé? Je ne crois pas que tu puisses. Je ressens un conflit intérieur. Bien sûr que j'ai un conflit intérieur. Je ne suis pas aveugle. Je sais de quoi l'Empire est capable, mais... Que nous reste-t-il? Un choix.
La rébellion ? Non. Le choix de devenir meilleur. Que la Force soit avec toi. Ravi de vous revoir, Agent Miko. L'amiral a ordonné l'extraction d'un allié impérial sur ma planète natale, Vardos. La cible est la tutélaire Gleb, une fonctionnaire qui a autrefois formé l'agent Ask et moi-même. J'ignore le lien avec l'opération Cendre, mais je dois faire confiance à l'amiral. Rendez-vous sur Vardos.